Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des reliques sur Crash Bandicoot 4 Sabot Time sur PlayStation 4. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le niveau de la grande évasion. Alors déjà vous l'avez vu, mais au tout début j'ai raté une caisse 3, hein, ce qui est pas bon du tout. Loul. Les caisses 3, faut éviter souvent de les rater, hein. Vous l'avez, je pense, compris. Et là, je viens de louper une caisse 2, ce qui est pas bon non plus. Plus une caisse 1. Oh, mais je suis bon là pour rater les caisses 100 là. Je suis parfait, les gars. T'as poussé. Non, mais si je rate tout, on est bien, les gars. Pour ça que j'aime pas jouer avec Cortex. Franchement, je vous le dis, ces niveaux Cortex, c'est vraiment les niveaux que j'aime pas, hein. Vraiment. Non, punaise, je suis trop court. Et là, je suis obligé d'attendre que la TNT saute pour passer. Oh, punaise. Ouais, allez, c'est bon, on recommence. C'était pas le bon try, voilà. Quand on passe comme ça, c'est que c'est pas le bon try et il faut refaire, hein, tout simplement. Mais à un moment, à force de refaire et refaire et refaire et refaire, franchement, à un moment, vous en avez ras-le-bol. Hein. Là, je vous dis franchement, si vous saviez le nombre d'essais que j'ai fait déjà sur ce niveau, vous en reviendriez pas. Hein. Vous en reviendrez pas, plutôt. Je crois que là, au jour d'aujourd'hui, je dois être à peu près, allez, une trentaine d'essais déjà pour ce niveau. Et en plus, je vais même vous dire un truc, je n'ai pas encore réussi à passer la partie Cortex. Hein. Je suis bloqué à cette partie, je n'arrive même pas à accéder à la partie Crash. Donc, bon, après, la partie Crash, pour moi, elle ne posera pas trop de problèmes, je ne pense pas. Après, faut voir, mais je pense qu'elle ne me posera pas vraiment de soucis. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'être passé là. C'est là, voilà. Vas-y, ok. Pas mal. Voilà, on va y aller. Hop, on y va. On attend que tout le monde passe. Et on y va. On y va, on y va, on y va. C'est parfait. Niveau temps, on est bien en plus. Je pense que là, niveau temps, on est pas mal. En plus, j'ai encore mes deux masques, donc c'est parfait. Hop. Lui, on va le tuer tout de suite. La caisse 2, voilà, on va la faire sauter. Bon, là, malheureusement, je vais être obligé d'attendre. Pas le choix. Et maintenant, j'y vais. Si, attention à passer à écraser, hein. Vous le savez, si on se fait écraser ici, c'est la mort instantanée. C'est one shot. Ouais, si on va passer là comme ça. Et si on va essayer de bien jouer. Punaise, je me suis fait avoir comme un con. Et en plus, je me fais bloquer par la poubelle, ce qui est très bien, les gars. Je suis bon. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Alors ici, ah oui, c'est vrai qu'ici ça tombe. Faut faire attention à pas se prendre un objet sur la tronche. Parfait. Ici, même principe. Punaise, mais je fais nappe. J'ai fait nappe. Voilà, c'est tout moi ça. Ok, c'est bon. Allez, partie crash. Là, c'est maintenant où il faut pas se foirer, là. Hein. Punaise, j'ai trop peur. Là, franchement, je vous le dis, je sais même pas où je suis niveau temps, si je suis bien ou pas. Punaise, j'ai trop peur, je vous le dis. Là, j'ai qu'une envie, c'est de faire vite, là. Voilà, top chrono 2-0-3. Ouh. Ok, c'est une relique en or, je suis content. Je suis ravi, la relique en or ça me suffit comme d'habitude. Hein. Sachant que la platine était à 1,43, donc il fallait faire quand même 25 secondes de moins. Non merci, je ne le ferai pas. Ça me dit rien de le faire. Bon, et ben voilà donc pour cette vidéo, et la prochaine fois donc on se retrouvera pour la relique du niveau traitement nitro. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.